le prince Harry sera présent au couronnement de son père Charles III. Ne veut pas de polémique. Harry et William ne devraient pas pouvoir se croiser durant la cérémonie. La photo de famille va être compliquée à immortaliser. Ce samedi 6 mai, les membres de la famille royale vont tous, ou presque, se retrouver à l'abbaye de Westminster pour couronner le roi Charles III. Après des semaines de spéculation, le prince Harry a annoncé sa présence alors que Meghan Markle restera, elle, à Los Angeles pour fêter le 4e anniversaire de leur fils Archie. Mais comme il s'y attendait, le duc de Sussex n'aura pas un rôle prépondérant lors de cette cérémonie-événement. Bien au contraire. Électron libre de la couronne britannique, le prince Harry ne devrait que peu croiser ses proches, qu'il a vivement critiqué dans ses mémoires. Et selon certains spécialistes, les employés du souverain qui se sont occupés de préparer son couronnement ont mis le paquet. Pour éviter que le duc de Sussex ne croise son frère aîné, le prince William. L'arrivée du prince Harry à l'abbaye de Westminster devrait être méticuleusement orchestrée par les employés du roi Charles III. Et ce, jusqu'à la minute exacte à laquelle il entrera dans l'édifice pour éviter une possible confrontation avec les membres de la famille royale et notamment le prince de Galles. Lors de la cérémonie, le duc de Sussex sera installé plusieurs rangées derrière sa famille, à une place précise qui empêchera les photographes et caméramans de filmer les deux frères sur le même plan. Selon les dernières informations, l'époux de Meghan Markle devrait être assis auprès d'autres membres moins importants de la couronne comme ses cousines dont il est resté très proche depuis son départ aux États-Unis, les princesses Eugénie et Béatrice. Harry et William irréconciliables. Dans les détails, l'arrivée du prince Harry au couronnement de son père devrait ressembler à celle que la couronne lui avait réservée à la cathédrale Saint-Paul en juin dernier. Pour le jubilé de platine d'Elisabeth II, les Sussex avaient débarqué seuls, dans une voiture privée et s'étaient installés assez loin du prince William et de Kate Middleton. Si tout est prévu pour que les frères ne se croisent pas, si esti parce que le prince de Galles ne pardonne pas à son cadet d'avoir sali l'institution royale dans son documentaire sur Netflix puis dans ses mémoires. William est le plus blessé d'entre tous, et il a besoin de temps pour digérer, assurait même un spécialiste à People. En visite surprise à Londres pour régler un problème judiciaire, le prince Harry n'avait même pas pris le temps de rencontrer son frère. Ni son père. Point à propos de l'auteur Lou du Creux politique et royauté sont mes dada, mais les people non, presque, plus de secrets pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigur Rós et Aki Kaurismäki. Ces derniers articles Meghan et Harry dilettantes, le ridicule nombre d'heures hebdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Léna Guillou pour ne pas se lasser d'Adil Rami. Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant,